Ok, je vais faire Moussa Saïb. Allô, Moussa? Allô, allô? Oui. Zul Flaka Moussa. Zul Al-Arabi. Clac en direct, donc c'est Radio Tizili. نبغى نوي مسيديك في بليليت يخدم الساكين ثموت للجزائر نهني على السيارة ليون ذي قبوش تاقيا لتفركة نولا بلي ثبوت للجزائر الساكين يوعد شي طوح فلاس يعني ماشي الانتاث نولا سير بويا ياكسيم قرانين يعني يوعد فلاسنت وعريت في لاسنت ملي لينا كان لي بخومي ماتش اكين ايزو ايتي ان بتي بو كومبليكي ماشا نهنتي من السنغال ما الكاميرون ما الماروك ايزو تيري لو ريبانكل دو جو بوينت بوينت ثلاثه نقاط هنا كين لي 3 بوان كي سون امبورتون دون لو بخومي ماتش ثموث من الجزائر نفات الساي كان شويه زايس هذا شو تمور لاين كيتشيني عرفت ملي تاكيا اموسا بصح ديجا ما تواريض الماتش مبوساكي دونك نكون نتمنى ياك ليكيب ليكيب الجزائر تربح هذا الماتش هكايا موا بور باش تكشف لا كومبيتيسيون هكايا افيك با لا غروند بورت موا افيك افيك شي با كومون ماشي هكا ميك هكا دينير افيك بوكو دو كونفيونس مي مالوروزمون دونك الو Moi je dis, c'est un semi-échec. Je suis contre le Sierra Leone, c'est comme ça que ça demande la pression féminine pour les prochains matchs. Quand on a le match, même on était mauvais, on a le Tu prépares les deux matchs à Eddie Groen avec beaucoup de tranquillité. Quoi. Mais toi, Kagi, avec un match nul, donc. Est-ce que les joueurs ne vont pas commencer à douter? Non, mais normalement, ils ont assez d'expérience pour avancer dans la compétition dans de bonnes conditions. Quoi. Là, Chad Néné, on fait confiance quand même à Imyur Elagé, on fait confiance à Jamal Belmadi, puisque jusque-là, il a montré bien, il peut changer un petit peu l'orientation des choses, mais il me dit Bossaguer. أشاد دينير زملاء دينير بلي قمضة قد زوالون لا بروميير ميتون خصوصا تاس ني با رونتري دون الماتش موسى نولا ليماج بصح بصح لا بروميير ميتون لي جوار تي انكزيستون بالك على ليماج سمحي سوفيا موسى على ليماج دو عطال كي ا لوبي ان نومبر انكالكولابل دو باس ميم لا بروميير باس ان سي خدم ام بوحين قالت تكشمل داخل لو كل ماتش بدراني ديوغال يلنا غير J'incrimine un joueur ou un autre, donc je parle en général. Je parle de l'équipe, c'est-à-dire dans les actions, il y aura des marquines mais que, à la dernière passe, ils ont pêché dans la dernière passe. Le plus dur, donc devant les buts. Colion commence à trébucher, comment c'est ça, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu. Non, l'enjeu, c'est que le premier match. En plus, c'est pas un coup foudre de guerre, c'est que c'est Sierra Leone, mais chez le Hajj Amgrant de la Benetlek. L'enjeu, ben là que je mène dans la peau d'un favori. C'est-à-dire, ce n'est jamais facile, c'est avoir contre des petites équipes comme Sierra Leone, Arthur. Nous allons accéder le Bouan, il va venir que les matchs jusqu'à maintenant, les 8 matchs, nous allons jusqu'à maintenant. J'ai pas vu voilà une équipe qui sort du lot. Qui surclasse, il y a un Nitaïa. Un dans le même niveau. Oui. Le Maroc, il va s'en convaincre. Le Sénégal, qui va s'en convaincre. Le Cameroun, kiff. Donc, ça, la seule différence, c'est que nous connaissons, on a fait match nul par rapport à un Nerbhan. Oui. Donc, c'est la seule différence. Mais question du niveau et tout, que jusqu'à maintenant, mais alors, on est sur notre soif, mais alors, on va aller à la Hajj, à Garzan de la Coupe d'Afrique, pour le moment. Du point de vue tactique, je te dis, on va regarder Gourav Matas, et que c'est un d'avoir, entraîneur de la GSK, l'équipe d'Algérie, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre, quelque part, وسن فكرة تصل القيمة في ثربة السيارة اللي أنا جينا أنا أوبلية بلك نتسو كل كباز موسى أنغلا
Voilà, la cacaïne sur la base de la hargne de gagner. C'est comme ça pour les joueurs. La cacaïne, ils ont raté l'occasion sans. C'est comme si. C'est une autre occasion de marquer, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient avant. Avant, Marathon, ils sont enragés, donc ils ont envie de marquer, ils ont envie de faire beaucoup de bien. Mais maintenant, tactiquement, c'est dans l'équipe, elle a créé des occasions. Il faut la ramener la Chouglan. Donc, par exemple, dans les matchs à Megadagui, il suffit de marquer un but, après, tout sera facile. Mais le premier but n'est pas cette marquée, il faut la première occasion, il faut pas la rater. Donc le coup, on a raté beaucoup d'occasions. Deuxième mi-temps. En premier, même en première mi-temps, la toile des fois Oui. Slimani, quand il a dribblé le gardien, quand Ah il était centré, Ibrahim, il a préféré frapper dans les buts. oui. Après l'intatas, après tout là, donc tout là, c'est des renseignements que l'entraîneur il va mettre. On exerce pour le prochain match contre la Guinée équatoriale. Donc, voilà, Matoualev, on n'a qu'un seul point. On devrait avoir 3 points, on a un seul point. Mais là, Rien n'est je suis. perdu. Mazal, Oui. Mazal, mes 4 points. Mazal. Mais Kiné, je reviens toujours. Moi, j'ai plus de liberté pour parler des joueurs. Merci. Oui. Kiné, bien le côté gauche. Brahimi, Belaïli, sur le côté gauche, déjà, dessine sur le côté gauche, ça doublonne, c'est de même. La même fonction. Et puis, Ben Sebaïni n'a pas pu monter. On n'a vu aucun débordement de Ben Sebaïni, aucun centre, pratiquement aucun rayon. Non, Est-ce que tactiquement. la deuxième étape. La première mi-temps. La première étape, Oui. Sebaïni, elle a fait une seule montée qui était un Oui. peu dangereuse. La deuxième étape, ça va, il fait moi, je suis comme beaucoup de personnes qui sont d'accord. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est d'avoir les deux Blaylock et Brahim. Parce qu'ils jouent généralement c'est le même poste, c'est ça. Mais ils ont joué, c'est comme si Blaylock a joué comme un deuxième Tout à avant-centre, fait. avant-centre. Tout à fait. Et Brahim, il a deux sur le côté Sur le côté gauche. gauche, chacun. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Blaylock a un seul côté gauche. Brahim, il a toujours tendance à avoir un seul Sur côté le côté gauche. gauche. Pour moi, les deux, ils peuvent pas jouer ensemble. C'est clair. Après, c'est un avis, hein, C'est clair, bien sûr. Naturellement, c'est tout. Tamourline Moussa. Ensuite, le mieux placé, quand même, le mieux placé, c'est Jamal Belmadi. C'est lui qui a l'expérience. C'est lui Tini Touani, le Nicolas. responsable, Mais l'autre. le connaît, ça nous empêche pas de n'avoir Tamourline. Surtout Manuel en deuxième mi-temps à Moussa. Le nombre de joueurs offensifs, il dit Sichem. C'est pas en mettant 6-7 joueurs ZDF qu'on va forcément marquer. La preuve, c'est qu'on sait Adam, on le dit, on y souhaite. Ça prouve que l'Inter n'était pas content du résultat, donc il voulait gagner ce match. C'est pour ça il fallait mieux coller, parce que voilà l'équipe Sierra Leone, c'est comme si le match à Guinness, attaque-défense. Donc une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Donc l'année, il ne faut pas oublier l'année, le gardien était présent, c'est-à-dire le gardien de Sierra Leone, donc il était dans son jour. Un grand joueur, Mohamed Camora, justement, Astrino à Gengalon à Moussa. Est-ce que Mohamed Camara qui a tout arrêté, ou c'est l'Algérie qui a tout loupé? Moi, j'ai la deuxième version. Les joueurs, voilà les joueurs, les actions, ce n'est pas les habitudes des joueurs. Non, c'est les actions. La dernière action, Brahma, il ne rate pas des occasions comme ça. Il ne rate pas une frappe tout faite. Le dernier corner, Bounedjah, c'est comme si la tête n'est. C'est comme si de ne pas être le monde. Mais ça arrive. Ça arrive aux grands Bien joueurs. sûr, bien sûr. Les matchs à Megué, la Varata, c'est que les matchs à Megué, ils mettent à avoir des équipes qui au début, sur le papier, un match est serré. Là, tu vas avoir un match dans le match, après, tu commences à avoir des difficultés, tu commences à douter.
Oui. Après, même le visage et nez qui devient crispé, c'est-à-dire le hajik, c'est rien, ça va faire. Parce que tu n'es pas en confiance. Tu as envie de finir avec ce match et tu ne peux pas faire, tu ne peux pas finir. Donc, avec 4 monde, donc, tu commences à rater des occasions, bêtement, Ouais, voilà, c'est ce sont des occasions. vrai. Après, l'année, il y a un excès d'individualisme, d'année, voilà, des quelques joueurs. Oui. On y voit des marques internes, donc tout ça, Faut corriger. faut corriger, voilà, exactement. Ok. Donc, selon Moussa, il reste plus grand-chose. L'Algérie, elle a son destin entre les mains. Il y a Ouais. la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire. Mais il y a les huitièmes de finale. Non, tu l'as kiné, j'ai aucun doute, tu as des haut la main, donc même le meilleur troisième, il y a des, donc il n'y a aucun doute. J'imagine jamais que l'Algérie passe par le deuxième tour, ça c'est impossible. Monsieur Hadja, après maintenant, ils vont mieux, c'est des matchs des Tsessenakagi Gwaran. Tu vois, les autres équipes vont faire la même La même chose. chose. Après l'Algérie, il faut qu'elle trouve des solutions avec des équipes. Les équipes qui n'ouvrent pas le jeu. Parce qu'avec les grandes équipes, tu là, maintenant, le Sénégal, la Côte La Côte d'Ivoire, d'Ivoire. c'est des équipes qui jouent au ballon. Tu c'est des équipes sur le papier qui sont mouchtouhètes, mais. Graven, c'est des troubles faits, donc ça s'avère que la vie, excuse-moi, le dos, excuse-moi, beaucoup de choses, donc. C'est clair. Ok, Moussa, je vous remercie pour la radio Césaire et vous voulez Ok, bien aller. t'as mis à l'arrivée. Et puis, Inch'Allah, cette fois-ci, on va commenter une victoire de Césaire. Avec plaisir, il n'y a pas de Ok, souci, Jack Inch'Allah. Détalou et Moussa, c'est une mère. Ok, merci. Allez, prends la chaîne. C'est une mère, Moussa.